Bonjour à tous, comment allez-vous? Moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est là pour l'épisode 14 sur Fallout 4. Je suis très content de vous retrouver cet épisode là. Vous vous souvenez, lors du dernier épisode on avait été pas loin de Mer Luminescence. On avait d'ailleurs été là-bas. On avait d'ailleurs découvert là-bas. Et malheureusement, on va pas pouvoir y aller aujourd'hui. Voilà. Je vous explique pourquoi. Malheureusement, j'ai eu quelques petits soucis au niveau des radeaux, donc j'en ai pas assez pour y retourner malheureusement là-bas. Sur Diamond City, il n'y en avait pas, j'en ai pas trouvé ailleurs. Donc malheureusement, j'ai donc trouvé une solution déjà pour qu'on y aille sans crainte. Il faut trouver la fameuse combinaison étanche. Cette combinaison étanche, du coup, permet à la base de ne pas prendre de radiation lorsqu'on y va. Mais malheureusement, à l'endroit où on y va, où trouver cette combinaison étanche, malheureusement, on a donc besoin de Radaway. Donc je suis venu à Good Neighbor, mais bon, parce que c'est au plus près, parce qu'il faut aller, en fait, des mémoires par là. Attendez, putain, je me souviens même plus. Où est-ce que c'est le musée d'art sorcellerie? C'est par là, non? Voilà, c'est là. Donc c'est juste là. Donc vous voyez, donc je suis même pas au bon endroit. Donc il faut à la base aller là, et puis redescendre à la cratère d'atome, peu importe, mais c'est à Mer Luminescence. Donc déjà ce qu'on va faire, c'est on va retourner à Diamond City, donc cet épisode risque d'être un peu plus long, mais bon. C'est vrai que là, depuis quelques jours, vous avez que des épisodes longs, mais vous inquiétez pas. Alors des prochains épisodes, déjà demain, vous avez un épisode de présentation d'armes sur Black Ops 3, donc l'épisode sera assez court. Je crois qu'il fait à peu près une dizaine de minutes, donc ça va un peu vous soulager pour ceux qui me suivent, hein, réellement, qui regardent vraiment toutes les vidéos. C'est vrai que ça doit vous saouler parce que là, les vidéos sont assez longues. Et je suis conscient que Fallout 4, ça ne peut pas intéresser toute ma communauté, hein, je suis totalement d'accord avec ça. Donc on va aller voir à Diamond City ce qu'il en est. Est-ce qu'ils ont des radars? Est-ce que... Vous? Eh bien, j'imagine qu'on peut faire affaire. Oui. Oui, Troki. D'accord, voyons ça. Des trucs et des bricoles. Donc, voyons voir. Alors, moi, ce que je veux, déjà, c'est des tenues. On va regarder les tenues. On va voir s'il y a déjà des choses qui peuvent protéger. Voilà, là, il y a un truc. Agilité, perception. Voilà, il n'y a vraiment rien. Au niveau des soins, est-ce qu'elle a des radeaux? Elle en a 8. Ah, c'est cher, quand même. Ah, ouais. Donc comme vous voyez, je n'ai plus beaucoup d'argent. Je vais être obligé de vendre des choses. Annulé. Voilà. Il y a un truc qu'on va faire, c'est qu'on va vendre des choses. Par exemple, ça, vendre, boîte de conserve, on vend 9. Béret militaire, il y a des trucs que ça ne me sert pas. Et ça ne me sert pas, ça ne me sert pas. Hop, carottes. Ça me sert pas. Gamma, c'est le cartouche de Gamma. Ouais, j'ai trouvé ça il y a pas si longtemps. Le pistolet Gamma. Donc je vais le garder. Vous voyez, il y a beaucoup de munitions que je pense pas me servir. Vous voyez, chapeau élégant, ça dégage. Cocktail Molotov, je garde. Les tenues d'abri, ça vaut pas grand chose, donc ça sert à rien. Ça, je vais vendre ça. Courge, crame, dard de rat scorpion, ça date. De l'eau sale, ça sert à rien. Le fat man, il me sert plus à rien. Parce que vous voyez, j'ai aucune mini bombe, donc ça sert à rien. Donc je le donne. Fleur de courge aussi, furie, hop, ça dégage. Ça dégage aussi. Grenade d'impulsion aussi. Vous allez me dire, putain, mais tu vends des trucs, mais t'en auras peut-être besoin. Institut, mais là j'ai aucune balle. Si j'en ai deux, 22. Mais c'est lequel qui fait plus de dégâts? C'est le fusil, donc le pistolet ça dégage. Hop. Je sais pas ce que je viens de vendre, mais c'est peut-être une connerie. Voilà. Lunettes de tendance, on s'en fout. Mantats, moi personnellement, j'en ai rien à foutre. Minigun, on a plus de balles, ça sert à rien, ça dégage. Mitraillette en argent. Ça vaut beaucoup ça? 44, ouais. Bon, avant celle-là, on s'en fout. Nuka chérie, ça je garde. Pantalon à boîte, elle, ça dégage. Petite voiture aussi. Pistolet de Kellogg, 163, vous voyez, ça vaut cher. Hein.
Pistolet fusée, poche de sauvegarde, pommade. On va en vendre. Voilà. Accepter. Hop. Donc j'en ai 500. Est-ce que maintenant je peux lui acheter certains Radoway? Deux en plus. Voilà, ce qui me fait que j'en ai trois. Donc. Ah, j'ai pas vu si elle avait Pardon. Je vends à peu près tout, mais toutes mes des marchandises sont steampacks de aussi. qualité. Et après, on y va. D'accord, voyons ça. N'allez surtout pas dire qu'il s'agit de bric-à-brac sans valeur. Alors, voyons voir. Je veux voir déjà au niveau des soins. Est-ce qu'elle a aussi des steampacks? On va essayer d'en acheter 3. Et je crois que je vais pas racheter de Radaway. Hein. Je vais lui en acheter un. Hop, voilà, il nous reste 73 capsules. Donc il va falloir en trouver, les amis. Parce que là, les dépenses se font chères. Alors, on va voir déjà au niveau des tenues. Vous voyez l'armure de chez Volstrad, par exemple. Voilà, c'est. Tenue récupérateur, c'est quoi ça? Ça sert à rien, j'aurais pu vendre aussi, mais malheureusement, elle a plus d'argent. Elle a plus d'argent, donc ça sert à rien. Voilà, on va garder au moins ça. Parce que ça peut servir. Mais moi, ce bruit me gêne. Donc, hop. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller stepper au plus près. On va essayer d'y aller. Parce que, en fait, c'est par là. C'est là, en fait. Et il n'y a pas plus près que là. Donc on y va. On y va, on va marcher petit à petit, ça va peut-être durer plusieurs épisodes, mais je pense que c'est nécessaire d'avoir cette fameuse combinaison pour aller à Mer Luminescence. J'ai pas vraiment regardé les vidéos de ceux qui sont allés justement là-bas, de comment ils ont fait. Je suis pas vraiment intéressé, et vu que là, l'épisode que je suis en train de faire, ben, je dois le publier très rapidement. Parce que là, je me prends au dernier moment. Du coup, bien vu que je pouvais pas continuer, parce qu'on pouvait pas continuer l'aventure hein, à Mer Luminescence, ça servait à rien, parce que j'avais plus de Radaway, j'en avais pas vraiment trouvé, j'avais. Donc, du coup, non, ça servait à rien. Donc là, on est sur le pont. Déjà, première chose de sauvegarde. Vous vous souvenez de ce pont-là? On était avec le chien, d'ailleurs, qu'on voit plus depuis plusieurs épisodes, mais il doit être retourné à Sanctuary Hills. Vous vous souvenez, il y avait eu des bombes de partout sur ce pont, voilà. Donc maintenant, il faut trouver la destination. Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever... Non, pas l'armure du con. On va enlever au niveau des données, voilà, cette quête. Alors ensuite, on va voir... What? 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 Mais pourquoi le... Pourquoi ça s'enflamme? What? Bon, c'est pas grave. Petite surprise, c'est tout. Alors, ce qu'on va faire maintenant. Non, j'ai dit on désactive. Et des ateliers, on en a trois. On peut pas mettre de points. Si, voilà. Ça va être par là. Voilà. Ça doit être par là. Donc, vous voyez le marqueur, voilà, on doit aller par là-bas. Bon, bah maintenant, c'est parti. On a une longue route. Je ne sais pas si je couperai. Je pense que peut-être que si éventuellement c'est trop long et qu'il se passe vraiment rien, je pense que je couperai. Donc voilà. Donc on va continuer à marcher. On va voir si on découvre des lieux. Ça se peut, hein, ça peut être aussi une découverte. Mais bon, je pense que c'est nécessaire pour... Faut vraiment aller à Mer Luminescence parce que c'est trop compliqué de se prendre des Radaway. On se prend tellement de radiation là-bas, c'est que c'est impossible. J'espère au moins que cette combinaison va marcher. Ah, là, il y a une maison. On va aller peut-être découvrir ce qu'il y a. Comme ça, les gens sauvegardent. Comme ça, au cas où s'il y a un ennemi. Ah putain! C'est une putain de tigre. J'aime pas ces bruits-là. Dégage, dégage. En plus, c'est la nuit. Mais recharge vite là! Je vais crever!
Ah, je vous jure, je déteste ces bruits-là. Je déteste ça. Il doit en avoir encore quelque part. Parce que j'entends les bruits. Ah non, c'est horrible. J'en ai des frissons. Tiens. Ah bah non. Mais c'est par où ? Que j'entends encore un bruit d'un tic. Ça doit être en dessous. Ouah, je vous jure, le bruit, ça m'écœure. Non. Non. En fait, fallait pas bouger, en fait. Génial. Hop, j'ai eu la fusion. On s'en fout. Là, c'est un peu avancé, donc... Non. Et voilà. Bon, allez, on continue. Non. Non, c'est encore moins, donc c'est de l'autre côté. Oh, bah nickel. Joli. Ah, j'en ai en guerre, ça sert à rien. Je pense que c'est en dessous. Donc on va aller en dessous. On y va. De faire bouillonner. Ah la vache. Ils avaient l'air bien pressés de se tirer. Il n'y a rien d'autre à découvrir ici. Donc on va remonter et dormir en haut là. On va s'avancer dans le jeu. Enfin, on va avancer l'heure. On va dormir une petite dizaine d'heures. On annulera au dernier moment. Ça, c'est une mise à jour qui a été mise, c'est que vous voyez plus le temps avancer. Là, vous voyez, on annule. On va dormir encore deux petites heures parce qu'il y a la pluie. Il pleut toujours. On va dormir deux heures encore. Il pleut plus encore. S'il pleut, bon, ok, c'est une journée pluvieuse, donc ça sert à rien. Bon, Nick, tu dégages. Voilà, merci, parce qu'on avance, là. On va pas rester ici toute la journée, donc voilà. On sauvegarde, c'est très important de sauvegarder à chaque fois. Putain de mine. Y a rien eu. On va traverser, on va pas suivre la route, hein, les gens, parce que sinon ça va mettre beaucoup, beaucoup trop de temps. Là, on doit être dans une région où il doit y avoir beaucoup de râteaux. Parce qu'on remonte... Et beaucoup de tics aussi. D'accord. Et c'est ce que je déteste. Parce que moi, déjà, en temps normal, j'ai peur d'un moustique. Alors, imaginez avec... Non. Dégage. Dégage tout de suite. Ah putain, mais dégagez. Allez. La grosse tombe en vidéo. Ok. C'est pas grave. Allez hop, on continue. Déjà, on approche d'une usine. Je sais pas ce que c'est ça. L'hôpital. Il me semble que j'avais déjà découvert. Ah, peut-être dans un autre truc alors. Ah non. Ah. On n'avait pas. Ah si. Lors des premiers épisodes, on avait découvert ça, non? On n'avait pas découvert cet endroit là. Ah, c'est con parce que j'aimerais bien m'en approcher pour. Pour découvrir leurs doigts à l'endroit et puis on sauvegarde. Là, c'est peut-être un petit endroit à découvrir là. Donc on va y aller. Ah, pas trop non plus. On va essayer juste de s'aventurer dans la. Non, ça sert à rien. Signal de détresse est trouvé. Ah, attendez. On a trouvé un signal de détresse par là. Trouvé. Voilà. Non. On écoute, parce que ça fait une mission à débloquer. Oh, regardez. Ouais, ça augmente. C'est quoi ça? Oh non, ouais, s'il y a des gens, c'est bon, on se casse.
Tu viendras pas. Ah mais putain, mais il peut, hein. C'est un coup de pied. Oui, ça augmente le signal de détresse. Donc effectivement, c'est peut-être par là. Là. Oh, il a commencé un nouveau truc, mais bon. Écoutez le lamband. Oui, bah on n'est pas là pour faire ça, donc non, mais c'est pas ça que je voulais mettre. Je vais peut-être mettre l'uniforme. Ok, d'accord, on s'en fout. Ah mais non. Ouais, mais là on s'en fout du coup. Non. Ce que je voulais faire. Voilà, donner quête, celle-là on la veut pas. Vous voyez, par contre, il y a des capsules. Armure assistée grillée. Ça a fondu. Là aussi. Putain, mais il y a plein d'armures assistées, puis c'est tout. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est con, quoi. Voilà, on sauvegarde. Bon, on a commencé une nouvelle quête, mais bon, voilà. On s'en fout. Qu'est-ce que je voulais faire? Ouais, je voulais remettre ma tenue de Shiver Shroud. Et puis, on continue, parce que... Voilà, bon, c'est bien de découvrir une autre quête. Voilà, bon. Il y a beaucoup de quêtes en cours. Hein, je sais pas si vous avez vu. Je vous montre très rapidement. Voilà, c'est... En fait, c'est comme si c'était un épisode annexe, mais... je vais le compter comme un épisode normal, parce que... Ça compte, parce qu'on va chercher un truc pour continuer la mission normale, donc... Pour moi, ça compte comme si c'était ça. Donc, vous voyez, j'ai beaucoup de quêtes en cours. Donc, vous voyez, déjà les divers, j'en ai déjà pas mal. Pour l'instant, on va suivre la mer luminescente parce que c'est ça, en fait. Ça, c'est la continuité, en fait, de la recherche de notre fils. Donc, de notre fils, donc voilà. Donc, voilà. On en est encore loin, quoi. Je pense que oui, hein. Ça va, on s'avance petit à petit. On a fait déjà un bon petit chemin. Hein. On a déjà bien avancé. Un rond-point. On sauvegarde. Je pense toujours à sauvegarder. Ça fait penser un peu au jeu de l'époque. Où tu avais le droit à tel nombre de sauvegardes. Et tu pouvais pas sauvegarder tellement de fois. Tu étais obligé de... sauvegarder, bah, si tu sauvegardais une fois, c'était exceptionnel. Genre les Resident Evil, je crois que c'était ça, t'avais le droit à tel nombre de sauvegardes. Et si tu sauvegardais trop, ben bah, au bout d'un moment, tu pouvais plus sauvegarder, donc t'étais obligé de faire tout d'un coup. Terrain d'entraînement de la garde nationale. On va juste aller explorer ce petit bâtiment et puis on va continuer. Peut-être pas. Ça va prendre un moment de rafistoler tout ça. Vous voyez par exemple là, une petite caisse. Donc là ouais, on a découvert quelque chose d'autre. Donc ça c'est bien parce qu'on pourra... C'est bon, il y a un molosse. J'ai vu passer un... Ah non, c'est... C'est rien, c'est juste l'ombre. L'ombre de Nick Valentine. On va juste... re-sauvegarder, même si ça a fait une sauvegarde rapide, je préfère continuer à sauvegarder. Bon, alors on continue. Donc là, ça doit être un grand panneau. Alors, ça, c'est apparemment une nouvelle espèce qu'on vient de découvrir là. Voyez, c'est comme un crabe, je sais plus son nom, mais c'est assez puissant apparemment. Donc il faut viser la tête qui est en dessous de la carapace, et apparemment, c'est assez puissant. Il va falloir s'en méfier. Et heureusement qu'on est derrière lui, parce que il peut faire très très mal. Voilà, un fangeux.
Voilà. Alors c'est très dangereux. Apparemment c'est une nouvelle. Ah, c'est une nouvelle bestiole. J'avais jamais vu ça dans un ancien Fallout. C'est les crabes. Voilà, c'est les crabes mutants. Vous voyez, c'est un carapace molle. Mais il y en a qui sont encore plus durs que ça. Donc faire gaffe parce que je vois un Cotsworth. Moi j'appelle ça comme ça un robot. Merde. Faut suivre un autre signal de détresse. Et c'est un truc de secondaire encore. Non? Donc là on voit des. Putain. C'est bon, allez, vous commencez à nous casser les couilles. Pardon. Faut rester poli. On va prendre le pistolet normal. Parce que je pense que c'est l'un des pistolets les plus puissants du jeu. Donc. Enfin, c'est notre tout premier pistolet. Alors ça c'est leur base ou quoi? Vous voyez, il y a beaucoup déjà de super mutants. Bon. C'est un jeu de détresse perdu, mais on s'en fout parce que c'est pas notre priorité. Alors, regardez. Ça, c'est peut-être un vendeur. Donc il faut peut-être se méfier. Ferme les Finch. Hey, vous. Oh, oui. Désolé. Bonjour. Je croyais que vous étiez avec cet arrêt de la forge, mais vous n'avez pas de brûlure. Ils ont pris la vieille aciérie et ils tirent dès qu'ils voient quelqu'un. Bon, on parle comme ça, voilà, c'est un peu, voilà. Merci de l'avertissement. Merci d'avertissement. Il n'y a pas de quoi. Si ça peut vous éviter les problèmes que j'ai eu. Ouais, à mon avis, ça doit être un vendeur aussi. S'il a fugué au beau milieu de la nuit pour aller les retrouver, il a fauché la vieille. Vous sauriez pas. Oh, on peut en rien à foutre. Débrouillez-vous. Les bâtiments industriels de ce genre, ça peut être dangereux. Je vous vois venir. 200 capsules si vous me la rapportez. Je la trouverai. Vous me rendez un fier service. D'accord. Je sais pas quoi je dois trouver, mais. Récupérer la. Oui, ok, d'accord. Mais c'est pas la principale. D'accord. Donc on a encore commencé. Vous vous rendez compte, à force de savoir, voilà, d'explorer, on découvre de plus amples missions qu'on découvrira lors d'épisodes annexes. Et ça se trouve, les épisodes annexes seront encore plus longs que les épisodes normaux. Ce qui est une possibilité. Alors là, malheureusement, on arrive à un endroit qui a l'air barricadé. Et ça a l'air assez mauvais. Donc on doit traverser. Et ça va, il y a un pont. Ça va, il y a un pont. Donc on va traverser. Donc c'est pas méchant, ça. Donc ça sert à rien. Oui, pardon. Hop, non, non, non. Non, je veux le tronc. Voilà, on y va, on avance, on saute, et hop, on passe. On va continuer, on va contourner, on va pas y rentrer, parce que je pense pas, je pense que ça doit être des ennemis, donc du coup, on va pas s'y aventurer. J'espère que vous m'entendez assez bien. On arrive bientôt à la demi-heure, donc on va peut-être s'arrêter là, vous savez à peu près l'endroit où est la combinaison étanche, donc si ça vous intéresse, vous allez dans une petite zone. Mais il y a des vidéos sur YouTube comme ça. Mais on découvrira du coup ça mercredi lors du prochain épisode, donc l'épisode numéro 15. Vous voyez, je pense que c'est une zone de pillard, je pense. Je ne sais pas, je peux. Artilleur légendaire, voilà. J'ai été repéré. Voilà, c'est une casse. Chulé. Pardon. What? Mais what? Mais non! Mais c'est quoi ce mec? C'est quoi ça? Oula, oula, oula. Mais là je suis niqué en fait. D'accord, je suis niqué. Là on sent bien le son des radiations qui montent là, qui arrêtent pas de grésiller. Bon. Alors, on va continuer. Ah, je sais plus où est les infos parce que j'avais sauvegardé.
Mais si on passe devant ce... Non, on va pas passer devant ça, d'accord. Mais j'ai pas fait gaffe où était ce fucking robot. Je pense qu'il vient de la casse. Il a l'air assez puissant. On va essayer d'éviter ça. Mais connaissant Nick, qui a tendance à dégainer un peu trop rapidement, me dis pas que... On est au terrain d'entraînement. Ok, donc là, j'avancerai dans la vidéo très probablement. Alors re à tous, parce que j'ai vu quelque chose d'assez intéressant qui peut être utile pour plus tard. C'est une armure assistée dans... Merde. J'aurais dû peut-être lancer un cocktail Molotov. Donc là, on va plus s'intéresser à l'armure pour finir cette vidéo. Parce que j'ai vu qu'il y avait une armure assistée clairement dans un des comme anciens camions militaires. Donc, on va s'intéresser à ça. Je vais essayer de prendre du coup ce que j'ai. Parce que c'est vrai que j'ai revendu un peu de cocktail Molotov. C'est où ce fucking robot? Merde. Et je sais plus si j'ai des radars. Ouais, si j'en avais racheté. On va essayer de le contourner. On est pas loin de le tuer là. Voilà, nickel. Nickel. Ça serait cool. Ça c'est cool. Allez, bim. On va juste prendre un peu de steampack parce que là, rien que le bruit des battements du cœur, ça fait chier. Putain, j'ai pris le radaway. Et merde, comme un con. Bah tiens, c'est bon, je l'ai récupéré. Là, il y a une armure assistée. Bon, elle est pas complète. Mais on va rentrer dedans, même si c'est pas très puissant. Voilà. Vous pensez que ça pourrait servir? Hop. Ouais, il gardait quand même plein de choses, hein, le petit bonhomme. Carburant de lance-flamme, même si on n'a pas vraiment de lance-flamme. Mais bon, voilà. Bon, ça fait une petite armure assistée, même s'il n'est pas vraiment au point. Mais bon, on va peut-être s'arrêter là parce qu'on arrive à la demi-heure. On va juste regarder la carte pour essayer de voir où est-ce qu'on en est. Voyez. Donc, on doit encore un peu avancer. On a fait un peu plus de la moitié. Et on doit bientôt, alors je pense du premier épisode, c'est vrai que j'avais prévu du coup de prendre cette combinaison étanche aujourd'hui. Mais malheureusement, je voulais pas faire une trop longue vidéo parce que ça fait plusieurs jours que je vous propose de longues vidéos. Donc là, on est parti pour la combinaison étanche. Donc je pense que le prochain épisode, on l'aura. Et je pense même peut-être que si on a le temps lors du prochain épisode, je pense qu'on ira à Mer Luminescence pour... On va se taper là-bas et puis on essaiera directement de... rencontrer ce Virgile enfin. Bon, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Un petit j'aime sur Facebook et un petit tweet sur Twitter aussi, ça fait aussi plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous ne l'êtes déjà pas. Et du coup, on se retrouve mercredi pour la suite de cet épisode, la suite de la série. Et ensuite, sinon, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Et ciao à tous.